Ouais, donc du coup, dans cette vidéo, les gars, on va faire comme si j'étais votre daron, en fait, dans cette vidéo. On va faire, là, tu vas imaginer comme si j'étais ton daron. Voilà. Ah, évidemment, je suis pas ton daron, ça n'a rien à voir. D'accord? Mais dans l'imaginaire, on va dire que je suis ton daron. Quoique, les gars, hey, la plupart d'entre vous, je peux être votre daron, les gars. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche hein, pour recevoir toutes les notifications. Tu connais, ici c'est Jonathan Chi, l'idée de cette chaîne pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, être motivé, créer ta vie sur mesure, hein, devenir libre. Parce que les gars, vous n'êtes pas libre. Hein. Vous croyez que vous êtes libre, mais c'est pas vrai. Et pour ça, il faut de l'argent les gars. Et là, tu peux chercher, tu peux retourner le truc dans tous les sens. Hein. J'ai réfléchi, hein. Il faut l'argent les gars. L'argent égale liberté, hein, contrairement, n'est pas la racine du mal, non, rien à voir, c'est plutôt l'argent égale liberté si tu l'utilises correctement. Donc du coup, tu as une étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20K en une semaine, ok, c'est détaillé étape par étape, c'est, tu vois le produit que j'ai vendu, tu vois le marketing que j'ai utilisé, comment j'ai fait le système, la stratégie, tu vois tout, ok, c'est offert, c'est gratuit, donc fais-toi plaisir, tu es libre de pouvoir y accéder. Et pas d'excuses les gars, j'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoublé mon BEP, j'ai grandi au quartier des Pyramides et pourtant je réussis à être libre, ça fait 3 ans que je voyage. Ok, ça fait plaisir les gars, hein, je ne veux pas te mentir. Et c'est quelque chose que tu peux faire, en tout cas si toi tu as envie de faire. Mais tu designes ta vie comme tu as envie. Moi j'aime voyager, j'ai toujours voulu voyager depuis toujours en fait. Et avant à l'ancienne, il fallait économiser une année pour pouvoir partir en vacances, une semaine. À l'époque où j'étais, je travaillais là. Donc ça a bien changé tout ça. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. Cette chose que ton daron aurait dû te dire. Ouais, donc du coup, dans cette vidéo, les gars, on va faire comme si j'étais votre daron, en fait, dans cette vidéo. On va faire, là, tu vas imaginer comme si j'étais ton daron. Voilà. Ah, évidemment, je suis pas ton daron, ça n'a rien à voir. D'accord? Mais dans l'imaginaire, on va dire que je peux être ton daron. Quoique, les gars, hey, la plupart d'entre vous, je peux être votre daron, les gars. La plupart d'entre vous, je peux être votre daron. Bon, il y en a quand même, je pense, qui sont un peu plus... Bref, de toute façon, on imagine, les gars. On est dans l'imagination. Ok? Qu'est-ce que notre daron, il aurait dû nous dire? Est-ce qu'il y a plein de choses qu'on ne nous dit pas? Hein? Il y a des choses qu'on ne nous dit pas, les gars. Bah oui, donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, je vais faire comme si j'étais votre daron, les gars. Première chose que le daron, normalement, il aurait dû nous dire, c'est ne laisse pas les gens faire leurs problèmes, tes problèmes. Voilà, je répète. Ne laisse pas les gens faire de leurs problèmes devenir tes problèmes. Il y a trop de gens qui viennent, ils viennent te raconter leurs problèmes. Et après, genre, les gens, ils ne sentent pas bien. Moi, ça me fait penser même quand je parlais avec un ami. Il prend le problème des gens sur lui, en fait. Non, chacun a ses problèmes et chacun doit porter ses problèmes, tu vois. Surtout que souvent, toi, tu te prends la tête pour la personne qui est dans une certaine situation, alors que la personne elle-même, on dirait qu'elle est là, elle fait aucun effort, elle est tranquille. Tu vas lui parler, tu vas lui dire des trucs. Elle va prendre toute ton énergie, elle va jamais écouter aucun des conseils que tu lui auras dit. Hein, et toi-même, tu sais de quoi je parle. Donc, chacun garde ses problèmes, sinon ça va tirer ton énergie. Et quand on mange ton énergie comme ça, tu pourras rien faire dans ta vie, tu vois. Donc, il faut que tu sois entouré de personnes qui, au contraire, te permettent d'avoir une énergie qui augmente, tu vois. Et ça, tu le vois direct. Hein, si jamais tu es avec quelqu'un qui a de l'énergie, eh ben, tu seras à côté de lui, tu seras bien. Même si jamais tu es un peu en dépression. Mais si tu es à côté d'un gars qui a une énergie élevée, boum, ça va te faire remonter, tu vois, en énergie. Mais de la même manière, si jamais tu fais ça avec d'autres personnes qui sont là, oui, qui veulent tu veux prendre les problèmes des gens sur toi, mais laisse tomber, tu as déjà les tiens. Deuxième chose, ah ouais, on avait dit que j'étais votre daron, c'est vrai. Donc du coup, mon fils, il faut que tu saches qu'il faut jamais que tu t'engages dans des relations avec des femmes qui recherchent l'attention, qui recherchent la validation de l'autre homme. Donc comment ça s'organise, comment ça se matérialise tout ça? Ben, si jamais tu vois que tu commences à vouloir te mettre en couple avec une femme qui arrête pas de faire des selfies et qui fait des vidéos, qui fait des selfies comme ça, ou qui fait des trucs comme ça sur son Instagram et qui après met bonne journée comme si c'était un cadeau, qui met bonne journée ou qui dit qu'est-ce que tu en penses et qui met des trucs genre pour que les gens puissent noter, hein, pour que tous les bêtas puissent faire « Ah, t'es trop belle », etc., etc. À partir du moment que tu vois c'est comme ça qu'elle a besoin de l'attention des gens, des autres hommes, et de la validation des autres hommes pour pouvoir vivre, ne te lance pas dans cette relation-là, pour des raisons évidentes. Troisième chose, mon fils, sache qu'il n'y a pas de hack dans la vie. Okay, il n'y a pas de, raccourci, il n'y a pas de technique miracle pour pouvoir atteindre les défis que l'on s'est lancé dans sa vie. Okay?
chaque chose prend du temps et il n'y a pas de raccourci en fait. Tu vois, les gens, ils ont essayé. Il y a des gens qui ont essayé, mais non, il n'y a pas de raccourci. À part jouer au millionnaire, mais il y a plus de chances de se faire foudroyer que de gagner au loto quand même. Donc à un moment donné, les gars, je me dis, bon, niveau probabilité, autant s'organiser autrement, tu vois. Donc chaque chose que dans lequel tu vas te lancer, ça prendra du temps. Voilà, ça sera toujours comme ça. Tu veux devenir un footballeur, bah, ça prendra du temps. Ça va pas du jour au lendemain. Tu veux être chanteur, rappeur, ça va faire la même chose. Tu veux lancer ton business, ça sera pareil. Tu veux être bon en marketing, bah, ça prendra du temps aussi. Tu veux être bon sur YouTube, ça prendra du temps aussi. Il n'y a pas de raccourci. Okay, ça prend 3 ans pour pouvoir devenir bon dans un domaine. Tu peux pas aller plus vite en fait. Okay, évidemment, il y a toujours des choses pour pouvoir compresser le temps. Okay. Si jamais tu te formes, si jamais tu te fais accompagner par des gens qui ont déjà fait ce que tu veux, hein, qui ont déjà atteint l'objectif que tu veux, comme par exemple Kobe Bryant qui prenait des conseils de Michael Jordan, mais il se levait tous les matins à 4h du matin, enfin il s'entraînait tous les matins à 5h pour pouvoir travailler et progresser. Tu vois, et ça apprend du temps. Tu vois. Il n'y a pas de hack, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de code crédit limité que tu peux faire et t'es à l'aise non, dans la vie. Non. Chaque challenge, il n'y a pas de hack. Quatrième chose à savoir, mon fils, c'est qu'il va falloir que tu apprennes le rejet. Okay, il faut absolument que tu apprennes le rejet parce que de toute façon, c'est ce qui va t'arriver dans ta vie au quotidien, que ce soit du genre opposé ou que ce soit relation au genre professionnel. Tu vas devoir dealer avec le rejet. Et si jamais tu n'apprends pas à faire ça, ça peut te casser. Okay, ça peut t'empêcher de passer à l'action aussi. Si jamais tu vois une belle femme et que tu as tellement peur du rejet que tu n'oses pas aller la voir, ça se trouve que tu passes à côté de la femme de ta vie. Tu ne le sais pas. Eh oui, tu ne sais pas. Voilà. Ou si jamais tu as peur de lancer ton business parce que tu as peur que les gens te critiquent ou etc. Donc, ce n'est pas exactement le rejet, mais on n'y est pas loin. Tu vois, tu as peur que les gens ils disent « Ah, mais n'importe quoi » et qu'ils te rejettent du cercle dans lequel tu es parce qu'ils vont te dire « Ah ben non, toi, tu fais n'importe quoi, etc. » Donc, mon fils apprend à dealer avec le rejet parce que c'est ce qui va t'arriver de toute façon tout au cours de ta vie. Cinquième chose, mon fils, à savoir, c'est que tu perdras toujours de l'argent à courir après les femmes, mais tu ne perdras jamais de femmes à courir après l'excellence. La grosse erreur, et j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, la grosse erreur, c'est que la plupart des gars courent après les femmes, okay, et ça ne fonctionne pas. En tout cas, c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus avantageux pour toi que la femme court après toi. Et la femme, elle court après les hommes qui pourchassent l'excellence, en fait. Les hommes qui sont ambitieux, qui accomplissent des choses, okay, parce qu'elle est hypergamie, donc elle va toujours être attirée par ce genre d'homme. Et ce genre d'homme, hein, plus tu montes, vraiment de manière élevée sur le marché du célibat, donc tu es vraiment super bien noté, plus tu montes, plus les femmes sont attirées par toi et plus les femmes viennent à toi. Et donc du coup, tu n'as même plus besoin de courir après les femmes. Si tu prends des gens, je sais pas, on va prendre un exemple extrême pour illustrer ça, Drake, par exemple, il reçoit des DM constamment. Il n'a pas besoin de courir après les femmes. C'est les femmes qui lui courent après. Mais pourquoi? Parce qu'il a chassé l'excellence. Il est devenu le meilleur dans son domaine. Okay, avant qu'il soit Drake, le Drake que l'on connaît, il ne recevait pas de DM. Okay, c'est quand il est devenu, il a chassé l'excellence, devenir bon dans ce qu'il faisait et du coup apporter de la valeur au monde. Okay, à ce moment-là, boum, là, il a commencé à recevoir des DM. Donc ça fonctionnera toujours comme ça. La place à l'extrême, parce que lui, il est vraiment au max, tu vois, il est au top. Mais à ton échelle, c'est la même chose. Plus tu vas chasser l'excellence, plus tu vas être bon dans ce que tu fais, plus tu vas être ambitieux, accomplir des choses, plus du coup tu vas être attirant pour la femme et plus du coup tu vas pouvoir avoir la femme que tu veux et pouvoir garder la femme que tu veux. Contrairement à courir après la femme que tu veux et du coup si tu arrives à avoir une relation long terme, tu vas courir toute ta vie durant cette relation après elle de toute façon. Parce qu'en vérité, tu es le second choix, tu n'es même pas le premier choix. Sixième chose à savoir, mon enfant, c'est qu'il faut que tu traites ta vie comme si tu n'en avais qu'une seule. Tu vas dire, bah oui, je suis au courant, les gars, on est au courant, les gars, je sais que j'ai qu'une vie. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que non, on dirait pas. 87% de la population, les gens, on dirait, dans leur tête, ils vivent comme s'ils avaient 10 vies. Ils vivent comme s'ils avaient 10 vies. Il y en a, ils se droguent, ils boivent de l'alcool. Ils ne prennent pas soin de leur corps, comme si le corps il allait durer éternellement, peut-être en bonne santé tout le temps, donc on ne fait aucun effort, rien. Enfin,
Non, les gens vivent comme s'ils avaient, ils allaient avoir une deuxième chance, quoi. Genre, ils ratent cette vie-là et puis bon, ils en font une deuxième. Tu vois, ils tentent rien, les rêves qu'ils ont, ben, ils les poursuivent pas. Ils font juste métro, boulot, dodo, sont là, combustible pour l'État qui les ponctionne. Et puis ils sont là, et puis ils ont l'impression de faire un peu les révolutionnaires, genre descendre dans la rue, il y en a marre. Mais en fait, il n'y a rien qui change. Enfin, non, les gars vivent comme s'ils avaient 50 vies en fait. Okay, donc vis ta vie comme si tu n'en avais réellement qu'une, tu vois. Quand tu sais, quand tu prends conscience qu'à un moment donné, ben, tu vas mourir. Ah non, mais je te le dis, tu le savais, mais tu ne le penses jamais. Voilà. Donc, mais un jour, tu vas mourir. Chaque seconde qui passe te rapproche de ta mort. Donc qu'est-ce qu'on fait en attendant? On fait comme si genre on en avait plusieurs vies ou on met en place des choses qu'on veut réellement dans sa vie? Et vivre vraiment la vie que l'on veut vraiment, designer la vie que vraiment que tu as envie de vivre. Pour que quand tu arrives sur le lit de ta mort, c'est ce que je te souhaite le plus loin possible, que tu puisses te dire, ne d'avoir aucun regret, dire, j'ai vraiment vécu une vie que j'ai toujours voulu vivre en fait. Donc mon fils, vis ta vie comme si tu n'en avais qu'une seule. Autre chose mon fils, évite les relations avec les mères célibataires. Okay. Évite les relations avec les femmes avec des enfants, okay, célibataires. Évite ça pour les relations long terme. Alors pourquoi il dit ça? Oh, c'est pas bien, c'est pas gentil. Pourquoi? On va être factuel. Il n'y a aucun avantage pour toi de te mettre en couple sur le long terme avec une femme qui a déjà des enfants. Et c'est pas mon problème, mon fils, que tu me dises qu'elle est magnifique, qu'elle a un corps de ouf et que t'en peux plus. Pourquoi? Déjà, premièrement, tu élèves l'enfant de quelqu'un d'autre. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as 100% les responsabilités sur cet enfant. Ça veut dire que bah, financièrement, tu vas apporter des choses dans l'éducation, tu vois. Tu vas être là comme un père, en fait, tout simplement. Okay? Donc, tu auras la 100% responsabilité comme si c'était ton enfant. Mais par contre, tu auras zéro autorité. Hein? Si jamais tu veux lui mettre une petite gifle, hein, ou un petit coup de ceinture, hein, comme on a tous goûté à l'ancienne, la mère, elle te dira non. Non, ça ne se passe pas comme ça. Okay? Tu vas te prendre toutes les crises, si jamais il y a la crise de l'adolescence, tu vas te le prendre, ouais, tu n'es pas mon père, etc. Hein, tu vas te manger tous les trucs comme ça. Okay? La femme, elle mettra toujours son enfant avant, tu passeras toujours après son enfant, ça c'est clair. Et après séparation, okay, donc si à séparation, je te rappelle quand même que 50% des personnes divorcent, donc le divorce. Donc, genre que ceux qui sont, ça se trouve le chiffre est beaucoup plus élevé pour les personnes qui sont seulement en relation. Okay? Donc imaginons que tu es en relation de long terme, tu t'es marié avec elle et tout machin. 50% des mariages divorcent, ok, et 75% sont initiés par la femme. Donc il y a de grandes chances, ok, que elle initie la séparation. Et après la séparation, si toi tu t'es attaché aux enfants, t'as kiffé les enfants et tout, etc. L'année, vous avez une relation, etc. Bien, tu ne verras jamais les enfants. Déjà, même les gars, quand c'est leurs propres enfants, ils galèrent déjà pour voir leurs enfants. Okay? Donc, imagine, là, c'est même pas tes enfants, mais tu ne les verras jamais. Donc, quel est le bénéfice en fait? Autant que tu prennes une femme et que tu construises ta propre legacy de zéro avec une femme qui n'a pas d'enfants. Okay? Alors, je ne parle pas du mariage général, il y a toujours des exceptions. Hein? Je suis bien placé pour le savoir, parce que j'ai grandi avec un beau-père, mais d'une manière générale, les gars, pas de bonne idée. Donc j'avais dit 7 choses, mon fils, mais du coup, je t'en ai rajouté 2 en bonus. Voilà, c'est cadeau, les gars. Donc du coup, en bonus, premier bonus, les gars. Enfin, à chaque fois, je dis les gars, les gars, mais en fait, mon fils, voilà, mon fils. En tant qu'homme, tu as 100% de responsabilité, hein, de nos jours, et 0% d'autorité. Voilà, c'est comme ça. En tant qu'homme, il faut que tu saches que voilà, c'est comme ça maintenant la vie. Avant, tu avais 100% de responsabilité et tu avais aussi l'autorité. Hein, ça, c'était jadis, hein, à l'ancienne. Hein, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, tu as 100% de responsabilité. Donc, tu dois continuer à être un homme, performer, être ambitieux, protéger ta famille, financièrement aussi, et pouvoir s'occuper de ta famille. Tu as toujours les responsabilités. Si jamais il y a un souci, c'est de ta faute, etc. Okay, tu as toujours la responsabilité. Mais l'autorité, bon, ben ça a sauté. Hein. Voilà, ça a sauté pour le gendre opposé, hein, apparemment. Voilà, et a décidé pourquoi. Parce que, bon, ben, apparemment, on est égaux. Donc, du coup, on est égaux, mais par contre, pas pour les responsabilités. Toi, tu dois continuer à être un homme. Tu dois continuer à être un homme. Voilà. Donc, voilà.
voilà, maintenant on fait face à une montée de femmes qui sont plus une énergie masculine et donc du coup elles veulent aussi de l'autorité, mais par contre on n'a qu'un cas les responsabilités, donc, la protection du foyer, etc. Financièrement, avoir quelqu'un d'ambitieux, tout ça, etc. Ça c'est ce qu'elles veulent. Donc, voilà. Donc elles veulent l'argent et le beurre de l'argent. L'argent et le beurre de l'argent. Elles veulent être masculines, mais elles veulent être avec un gars quand même pour pouvoir avoir l'autorité, mais elles ne veulent pas les responsabilités. Voilà. Voilà dans le monde dans lequel on vit, c'est comme ça maintenant. Et si jamais tu dis le contraire, ben, tu vis à l'époque de la préhistoire. Enfin. Et dernier bonus, mon fils, très important, autant aussi important que les autres, c'est ne t'engage pas dans des relations long terme avec des femmes qui ne contrôlent pas leurs émotions. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais, dès que vous êtes en désaccord, etc., elle commence à élever la voix, elle commence à parler fort, elle commence à t'insulter, elle commence à te taper, pour des raisons évidentes, je pense que tu as compris que ce n'est pas la bonne solution. Hein, c'est des trucs qui vont finir mal parce qu'à un moment donné, elle va te taper, elle va t'insulter, nanani, nanana, t'as beau être le plus calme du monde, à un moment donné, ça va t'énerver. Hein, ça va t'énerver et c'est toi qui vas finir derrière les barreaux. Donc du coup, non. Hein. Autre exemple, au niveau du contrôle des émotions, si jamais t'es avec une femme qui un jour elle est contente, un jour elle est pas contente, un jour elle est contente, un jour elle est pas contente, un jour elle fait la tête, un jour elle fait pas la tête, hein, pour des raisons évidentes aussi, hein, tu comprendras que non, c'est pas le genre de femme avec qui tu veux avoir une relation long terme et encore moins avoir des enfants, imagine, derrière. Parce que du coup, après, ça se transmet. Hein. Les enfants, ils imitent. Hein. Les gens disent « Ouais, je vais éduquer mon enfant comme ci, comme ça. » Les enfants, c'est des éponges et ils vont reproduire exactement ce que tu as fait ou de la même manière comment tu es. Et c'est aussi simple que ça. Donc déjà, si la femme, elle a du mal elle-même à être heureuse par elle-même, un jour elle est contente, un jour elle n'est pas contente. Et en sachant, comme je t'ai dit, que d'une manière générale, enfin ça j'avais dans une autre vidéo, d'une manière générale, les femmes ne prennent pas la responsabilité d'être heureuses, tu vois, elles vont le mettre sur toi. Donc du coup, elles seront malheureuses par ta faute. Ce sera toujours ta faute. Okay? Donc du coup, évite ça. Voilà mon fils, je pense que je t'ai donné pas mal de conseils. Hein? Ah, bon, allez, c'est bon, on sort du truc imaginaire là. Donc, les gars, si vous avez aimé ce genre de vidéo, hein, j'en ai d'autres encore, les gars. Hein, si vous voulez d'autres conseils, des trucs comme ça, j'en ai d'autres, les gars. En mode daron, ce que nos darons auraient dû nous dire, j'en ai d'autres encore, les gars. Hein, sous le coude, je le garde. Donc, les gars, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime. Ok, si tu n'as pas aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime pas. Je te rappelle que tu dois pouvoir accéder à Pirate Marketing, c'est ma formation, sans sortir 1€. Ok, c'est une pirate pratique. Pirate Marketing où je te montre exactement comment faire les 5K minimum, hein, les gars. Ok, c'est juste pour vous donner, c'est juste pour que tu aies un aperçu de voir ce que tu peux gagner avec grâce à les stratégies que je partage avec toi. Mais c'est minimum 5K. Ok, c'est 5K minimum et au-delà. Hein. Et cette formation, elle est éligible au CPF. Ok, donc c'est pour ça que du coup, tu n'as pas besoin de payer. Donc c'est quoi le CPF? C'est un système qui a été mis en place par le gouvernement français, les gars. Donc si vous n'êtes pas en France, les gars, non, il ne peut rien faire pour vous, les gars. Mais par contre, si tu es en France, il n'y a pas de souci. Donc du coup, tu cotises en fait tous les ans, hein, c'est de ce qui s'appelle un compte CPF, donc c'est de l'argent, ok, pour pouvoir te former en ligne. Et si tu n'utilises pas cet argent-là, en fait, eh ben, tu perds l'argent. Non, ça part, oui, ou il le récupère, je ne sais pas ce qu'il faut, mais en tout cas, toi, tu le perds. Hein, et cet argent-là, tu ne peux pas l'utiliser pour acheter une PlayStation. Ça n'a rien à voir. Okay, tu ne peux pas. C'est juste pour se former. Et donc, du coup, tu vas pouvoir te former grâce à ton compte CPF seulement avec des formations qui sont éligibles au CPF. Et bien, ça tombe bien. Pirate Marketing est éligible au CPF. Du coup, après, tu vas dire, ouais, mais est-ce que je cotise? Je ne sais pas si je cotise, etc. Déjà, si jamais tu es étudiant, c'est mort. Si jamais, par contre, tu as déjà travaillé, tu es au chômage, tu es intérimaire, tu es entrepreneur, etc. Tous les autres, les gars, tu veux faire une reconversion professionnelle, etc. Tout ça là, les gars, vous avez cotisé forcément. Et de toute façon, ce qui va se passer, c'est que moi, je t'ai mis un lien dans les commentaires. Okay, tu vas mettre ton email et tu vas pouvoir prendre rendez-vous après avec un conseiller. Normalement, c'est Céline. Okay, et Céline, elle va faire tout le dossier pour toi. Okay, elle va te dire combien tu as de CPF, etc. Elle va tout faire pour toi. Tu n'as rien à faire. Tu n'as même pas besoin de comprendre comment ça marche. Hein, comme il dit l'autre, tu n'as pas besoin de comprendre comment ça fonctionne. Juste pédale. Je crois que c'est un truc comme ça. Et donc du coup, tu auras juste à prendre, elle va te faire le dossier et à la fin, elle te donnera les accès à Pirate Marketing et tu n'auras plus qu'à charbonner pour pouvoir atteindre tes objectifs. Okay, mais comme d'habitude, il n'y a pas de hack, les gars. Hein, c'est des stratégies. Évidemment, ça prend du temps pour pouvoir devenir libre. Et pas comme ça du jour au lendemain, les gars. Hein. Okay, lance-toi au moins 1 an, tu vois. 6 mois, 1 an.
donc voilà, je pense que je t'ai tout dit par rapport à ça. Donc en gros, tout est offert, là, tout est gratuit, les gars. Donc arrêtez de bégayer, comme d'habitude, les gars. Je suis toujours dans la compréhension, il y a des gens qui regardent là et qui ne vont pas prendre rendez-vous. Alors qu'ils peuvent tout avoir gratuitement. Enfin, c'est pas gratuit parce que le gouvernement, il paye, mais c'est ouf. Enfin, pourquoi t'hésites en fait ? On comprend pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Je vais être en camp.